Yo, salut tout le monde! Petite vidéo de prévention par rapport à la mise à jour que nous allons avoir tout à l'heure pour certains, demain pour d'autres, etc., etc. Par rapport à la mise à jour, on aura le changement de ID PSN. Donc, alors, je vous fais cette petite vidéo de prévention, vous donner les risques pour ceux qui ne seraient pas au courant. Voilà. Alors, hop. Voilà, nous allons en discuter là vite fait. Voilà. Alors voilà, dès demain, à partir de demain, Sony explique comment s'y prendre. Alors, je vous laisse lire. Nanana. Alors, le premier changement sera gratuit. Encore heureux. Ensuite, il faudra débourser 9,99. Bon, 10 euros pour changer. Ça, c'est comme sur Xbox. Pareil, Xbox, quand on change de gamertag, on oblige de changer, de payer. Bah là, ça sera pareil à la deuxième fois. Sauf d'après ce que j'ai vu déjà sur un autre lien, ça coûtera 4,99€ pour ceux qui seront PlayStation Plus. Alors voilà. Voilà, c'est là que ça nous commence à être intéressant. C'est qu'à partir voilà, du 1er avril, tous les jeux qu'on possède à partir du 1er avril 2018. D'accord. Ouais, d'après ce que j'ai compris, ouais, tous les jeux qu'on a eu avant le 1er avril 2018, si on change notre PSN, notre ID PSN, tous les jeux où on jouera avec notre qu'on a eu acheté avant le 1er avril 2018 gardera toujours votre ancien pseudo. Pour que ça soit votre nouveau pseudo soit pris en compte, il faudra que ça soit des jeux pris après le 1er avril 2018. Moi, c'est ce que j'ai compris pour l'instant. Alors, hein, voilà. Mais il me semble que non, j'avais pas d'autres trucs là. Non, c'est pas là. Certes, ça doit être ça. Voilà. Un autre lien. Voilà. On pourra changer le pseudo dès demain. Voilà. Ok. Voilà. À partir du 11 avril, c'est-à-dire quoi, dans la journée, ça va tomber la mise à jour. Bien sûr, la mise à jour, vous pouvez la faire. Mais les risques sont quand on change de pseudo PSN. Bon, après la mise à jour, vous êtes obligé de la faire par rapport pour pouvoir jouer en ligne. Voilà. Alors, hop. Alors, sera compatible. Ah ouais, non, on ne pourra pas le faire depuis une PS3 et une PS Vita. Ok. Voilà, le premier est gratuit. Ah voilà, c'est là que je l'avais vu. PlayStation Plus. Ouais, la deuxième fois que vous aurez changé de PSN, vous serez obligé de débourser 9,99€ pour ceux qui ne sont pas PlayStation Plus et 4,99€ pour ceux qui sont PlayStation Plus. Voilà. Mais au cas où, je vous mettrai les deux liens dans la description. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Voilà les risques qu'il y a. Justement, c'est ça que je voulais au moins faire un message de prévention. Je ne dis pas que c'est faut pas le faire. Ça vaut risque et péril. Vous voulez le faire, vous le faites. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Moi, perso, je ne le ferai pas. Moi, j'attendrai plus tard avoir quelques retours en plus. Mais pour l'instant, je ne le ferai pas. Et voilà, là c'est pour l'instant un message de prévention. Je vous donne les risques
C'est-à-dire que les risques, moi, d'après ce que j'ai compris, que j'ai lu par rapport à plusieurs liens de sites où je suis tombé, c'est que si vous changez votre PSN dès demain, vous avez des risques, je me répète, je dis bien des risques, message de prévention, que tous les jeux que vous avez achetés, par exemple moi, mon PSN, c'est DJKL 42. Tous mes jeux que j'ai achetés avec ce pseudo, si je change mon pseudo, par exemple, je pense au nom de ma chaîne YouTube, et ben tous mes jeux que j'aurais avant, je les aurais plus. En gros, c'est comme si je les avais jamais achetés avec mon nouveau compte, avec mon nouveau ID PSN. Ça, c'est un des premiers risques que j'ai pu lire. Un des deuxièmes risques, c'est que vous perdez tous vos trophées. Ça, comme obligé de refaire tous vos trophées. Ça, c'est un des deuxièmes risques qu'il peut y avoir. Et le troisième risque que j'ai pu lire, c'était aussi que vous pouvez perdre vos données de sauvegarde. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un jeu que vous avez joué des heures et des heures et des heures, et que justement vous changez votre PSN par votre nouveau PSN, et bien vu que votre compte, c'est votre sauvegarde sera par rapport à votre PSN actuel, et bien vous risquez aussi de perdre vos sauvegardes. C'est-à-dire que vous serez obligé de recommencer tout le jeu, de refaire tout ce que vous avez fait. Si genre vous avez joué 200 heures, vous avez perdu 200 heures, parce que votre sauvegarde ne sera plus compatible. Ça va vous dire, genre, les données sont corrompues, ou les données de cet utilisateur ne sont pas actuelles, ou un truc comme dans le genre. Alors, hein, voilà. Mais au cas où, ben, je me répète, je vous mettrai les deux liens dans la description. Et là, ben, là, il vous donne l'étape à faire. Rendez-vous sur gestion de compte, information de compte, profil, ID en ligne. Voilà. Toc, ouais. En cas de confrontation, tatata. Ouais. Vous pouvez perdre l'accès. Ah, voilà, en plus, ça c'est bien marqué. Votre ancienne ID en ligne peut rester visible pour que d'autres joueurs à certains endroits. D'accord. Vous pouvez perdre votre progression dans les jeux, voilà, c'est ce que je vous disais, notamment les données du jeu enregistrées, les données des classements, les trophées, les progressions des trophées. Des parties de ce jeu ne peuvent pas fonctionner correctement, aussi bien en ligne que hors ligne. Vous pouvez perdre l'accès à du contenu, y compris du contenu payant. Ah oui, ça aussi. Ça, voilà. Alors, au cas où, voilà. Cette vidéo qui sera très courte, moins de 10 minutes, mais c'est un message de prévention pour justement cette nouvelle mise à jour qui va arriver. Alors après, voilà, vous voulez en prendre compte, vous en prenez compte, vous voulez pas en prendre compte, vous en prenez pas compte. Mais voilà, moi je donne mon avis, je vous fais une petite vidéo de prévention. Attention, danger. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, eh ben, je vous dis sûrement à de futures vidéos ou futurs lives sur la chaîne. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà. Et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, etc. etc. Sur ce, je vous laisse sur l'outro. Et je vous dis bye bye, merci.